gauche. Exactement, attention avec ce pressing là des Nigériens. Oh, il a du mal, peut-être l'égalisation. L'égalisation nigérienne contre le cours du... Le cours du jeu, on peut dire ça comme ça. Hein. Le gardien qui se laisse piéger un peu par le rebond, il se fait un peu avoir. Malheureusement, ce ballon qui lui revient dans le dos, il essaie de repousser cette balle qui arrive sur la tête d'un joueur qui n'a plus qu'à propulser le ballon dans les filets qui sont vides. Mohamed. On en avait parlé, Zvet, j'en ai le sourire et ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, ça montre, voilà, faut montrer aussi que faut pas jouer trop en dilettante. Et les Tunisiens ont commencé justement en dilettante et ils se sont fait surprendre par cette belle tête de N'Goulou. Cette belle tête d'N'Goulou qui va au fond des filets et qui trompe Abdennour, raison au portier, notamment le grand portier Matlouti qui avait fait un sans faute face aux Marocains tout au long de la première période jusqu'au but.